grenier est ici. On y est. C'est parti, let's go. Je pense qu'il y en a là. C'est des DVD. C'est des jeux. Ça là, elle est à combien? 1. D'accord. Parce que j'ai des prix avant. Il y a un GPS 2 là. Ouais. Je te le mets là. Les fameux draps rouges, à chaque fois que je les vois quand ils sortent des jeux vidéo, ils ont toujours un drap rouge. Hein. Voilà, moi je trouve que ça sert à rien à voir, c'est pour mettre les bijoux. Ah, ouais, généralement ils ont là, toujours un... Ils étaient tous. Ouais, bon, comme vous pouvez voir, je suis encore à Brocante. J'ai trouvé quelques petites choses, mais bon, c'est pas la folie. On va continuer la recherche parce que apparemment à 14h, il y aura peut-être une personne midi, 14h. Personne qui va ramener des trucs. Et c'est des grenades, il est là, il est un peu partout. J'avais déjà été il y a quelques années. On était sur le parking. On va voir si on trouve quelque chose. Hein. On continue les recherches. Parti. Allez, allez. Que vous allez faire comme au poker. Vous allez faire un truc de poker avec les cartouches. Ah ouais, non, c'est pour mettre des outils simples. Ah ouais. Moi, ce qui reste. Ok. Bon, bah, deuxième brocante. Je suis à Paris et c'est Port-Royal. On va voir ce qu'on va trouver. Thank you.
Oui, madame. Ah, 15 euros. 15 euros, madame. Oui. Moi, c'est pas que je vous fabrique, madame. Genre, tu me les fais combien les trois là? Je connais. 15 euros. 15 euros? Ouais, je les prends. Surtout d'œufs. Troisième vide-grenier, on va voir ce qu'il y a, regardez comme c'est grand. Tout ça là. Monsieur, tu ferais combien pour savoir? Grave. Après, tu prends un autre, je t'arrange. Tu dis, me le fais à 10? Okay. Et c'est parti pour le compte-rendu de vide-grenier avec pas mal de petites choses. Je commence avec ce petit lot. Vous l'avez déjà vu dans mes précédents vide-greniers. Et là, je les ai récupérés. Donc, il y en a trois. Donc, sur les trois, il y en avait deux qui m'intéressaient que j'avais pas. Bon, c'est pas des titres de ouf, mais au moins, ça a le mérite de rentrer dans la collection. Donc, on va commencer par le jeu le moins intéressant. C'est le Wimbledon Tennis. Donc, bon, c'est un jeu de tennis. Malgré tout, la boîte elle est assez propre, hein. faut le dire, hein. ça reste raisonnable. J'ai un petit peu nettoyé. Bon, malheureusement, il n'y a pas la notice, mais au moins il y a cartouche qui est impeccable. Donc déjà, il y a ça. Deuxième, qui est un petit peu plus intéressant, c'est le David Robinson Super Court, donc un jeu de basket. Donc en parfait état quand même, faut le dire. Bon, il manque juste la petite languette qui permet de les mettre dans les magasins. Bon, ça, tout le monde les arrachait à l'époque. Oui, ici, on les mettait dans la collection, on les mettait dans la boîte. Et puis les gens, comme ils mettaient des trucs par-dessus, ben, du coup, ça faisait une bosse. Pérez ce jeu dans ce lot. La cartouche, elle est présente. Mais pareil que le tennis, il n'y a pas la notice. Et le troisième, c'est un jeu un peu plus quali. C'est le jeu Desert Strike, fait par Electronic Arts. Donc Desert Strike, la suite, je crois, de Jungle Strike, si je ne dis pas de bêtises. Si c'est Urban Strike la suite, enfin bref, j'en fiche. C'est Desert Strike. Bon, celui-là, je l'ai possédé déjà, donc celui-là, il partira à la revente pour me faire rembourser les autres jeux. Donc, malheureusement, celui-là est en anglais et bien sûr, il n'a pas la notice du tout. Moi, ce que j'ai fait, comme j'avais déjà une cartouche, j'avais déjà, comment ça s'appelle, de Desert Strike. Du coup, j'ai échangé la cartouche du Desert Strike que j'avais parce qu'elle était en meilleur état que celle-là parce qu'il y avait un espèce de truc. Puis l'intérieur, c'était dégueulasse. Donc, j'ai fait l'échange. Il y a même une petite étiquette anti-vol ici. Qui sert plus à grand chose. Le jeu, bah, vous connaissez, je pense, hein, pour ceux qui l'ont vu. Je vais montrer quelques images du jeu là derrière. Bon, bah, c'est un anglais. Hein. Vous avez un carnet hélicoptère, vous détruisez toutes les cibles, vous récupérez les survivants. C'est simple, efficace. Donc, j'ai récupéré ce lot de jeux pour 20 euros le tout au lieu de 15 euros unité, ce qui m'aurait fait 45 euros. Et ça, 45 euros pour ça, déjà, non. Là, j'ai eu pour à peu près 7 euros, à peu près plus de 7 euros unité. C'est pas mal. Deuxième lot de 3 jeux que j'ai récupéré Port-Royal. Je ne dis pas de bêtises, non, c'est ça. J'ai récupéré un lot de jeux PS4. La personne, je la connais très très bien, du coup, m'a fait un très bon prix pour ces lots de jeux PS4. Ils sont tous sous blister. Bon, après, les blisters sont un petit peu. Ils ont vécu, ils ont du vécu. Hein. Donc, je dois commencer par le jeu PS4 Balan Wonderworld. Donc, apparemment, celui-là n'est pas super terrible. Bon, il est en français. Oui, je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Il est en français. Bon, il est sous blister. Ce sera un jeu peut-être à découvrir ou à partir à la revente ou à l'échange. Hein. Deuxième jeu, c'est le Immortal Rhymes Vampire Wars. Donc je ne connais pas non plus, ça sera à découvrir. Bon, c'est un petit jeu vu du dessus, un peu à Diablo, donc on verra ce que ça donne. Et le dernier jeu, c'est le Tiny Tina's Wonderland. Donc Wonderlands au pluriel. Donc un jeu qui est 9 sous blister. Celui-là, il a l'air un peu plus intéressant. On m'a dit qu'il fallait que j'y joue. Donc celui-là, je garde, ça me permettra de faire un let's play sur ce jeu, le Wonderland, Tiny Tina's Wonderlands. Donc j'ai récupéré ce lot de 3 jeux pour la somme de 15 euros. Et le dernier jeu que j'ai récupéré, c'est un jeu Super Nintendo. Alors si vous étiez sur TikTok en live, vous avez pu voir l'achat. Donc du coup, il y avait pas mal de jeux Super Nintendo, des beaux titres, des beaux petits titres, hein, sympa.
Bon, j'ai pas pu prendre tout parce que j'avais un budget limité, parce que vous savez pourquoi, pour ceux qui savent. Du coup, j'ai récupéré un jeu qui vaut le coup, puisque ce jeu à la base vaut dans les 30 à 40 euros sur Vinted. J'ai fait mes recherches. Donc, j'ai récupéré le Super Mario World Yoshi Island. Alors, l'état était vraiment dégueulasse et franchement, j'ai bien attrapé le truc. Bon, par contre, en essuyant, c'est un petit peu gratté l'étiquette. C'est pas très grave. Si je retrouve une cartouche que je veux échanger ou revendre, je pourrais échanger derrière. Par contre, là, ouais, là, il y a eu de la rouille. Hein. Il était noir de crasse. Bon, après, j'ai pas nettoyé trop la PCB. J'ai nettoyé tout autour, un petit peu gratté avec le petit pinceau à l'intérieur. Il va être un peu plus propre. Regardez, il est un peu plus propre. Bon, j'ai pas trop forcé sur le nettoyage de l'étiquette avant parce que vous voyez, ça risque de décolorer. Malgré que j'ai utilisé un produit non nocif justement pour ça. Donc voilà, j'ai récupéré ce petit Yoshi Island sur Super Nintendo pour la somme de 10 euros au lieu de 15 euros. Donc j'espère revoir la personne parce qu'il y avait d'autres titres. Il y avait des trucs intéressants. Il y avait un Mickey Mania, un Bubsy et il y avait un jeu de F1 et plein de jeux que j'avais pas. Donc il y avait des jeux qui étaient décolorés. Et à mon avis, à mon humble avis, je pense que déjà ils ont dû subir l'humidité et en plus il y a dû avoir aussi un incendie parce que le truc était complètement noir, comme s'il y avait de la suie. Alors soit c'était de l'humidité, mais ce qui m'étonnerait parce qu'il n'y a pas de grosses taches, vous savez, de moisissures. C'est juste un peu d'humidité, surtout au niveau des vis. Vous voyez, regardez celle-là. Celle-là c'est flagrant, hein. Elle est complètement rouillée. Donc j'ai récupéré cette cartouche de Yoshi Island pour la somme de 10 euros. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce compte rendu de vide-grenier. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et surtout abonnez-vous. Ciao !